Le Baal Shem Tov était en train de faire Hidbodedout sur une montagne. Et il était concentré, comme ça, concentré, il marchait. Mais en bas, il y avait des brigands. Ils se sont dit, dès qu'il descend de la montagne, on s'occupe de lui bien comme il faut. Maintenant, le problème, c'est qu'ils étaient en train de voir que le monsieur, Baal Shem Tov, pour eux, c'était un monsieur, eh bien, il avançait dans la montagne, mais au bout, c'était la fin. Ça veut dire qu'il allait, dans une seconde, tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un miracle qu'il y a eu, et que les deux montagnes, elles se sont collées. Les deux montagnes, elles se sont collées. Et les brigands, ils les ont vus, que le rav, il est passé de cette montagne à l'autre montagne, il a continué. Il y en a Bichal qui disent que s'il n'y avait pas ces brigands, il allait continuer parce qu'il y a des passages souterrains rapides, des sas dans le monde qui vont directement à Jérusalem. Il y a des passages rapides qui font directement à Jérusalem. Ça existe, ces choses-là. Il y avait des films, ça, à l'époque, là. Shlomo HaMelech, exactement, il y avait ça, il connaissait ça. C'est que, il savait exactement où planter chaque plante et faire pousser même du thé qui ne pousse qu'en Inde. Et donc, et ça, c'était la force du Baal Shem Tov. Il y en a qui disent, c'est pas compréhensible. Des fois, il y a des histoires qui sont au-dessus du surhumain. Il faut savoir que des fois, quand on croit que c'est un miracle, Bichlal, si on arrive à conscientiser que le miracle, que la vie normale, c'est aussi un miracle, qu'une feuille comme ça, c'est aussi un miracle, mais tu arrives à le sentir dans les gènes, eh bien tu vas voir que même ce que nous on appelle de dire un miracle, ces choses, c'est de vous imaginer, vous avez une orange ou une mangue sucrée, juteuse, vous la sortez d'un morceau de bois comme ça. C'est du bois. Tarlet, c'est du bois. Ça sort. Ah, parce que tu t'es habitué qu'il y avait des mangues qui poussent dans les arbres. Alors c'est plus un miracle. Là-bas, le tarlès, t'as du sucre, t'as de l'eau, t'as du jus, une pastèque qui peut sortir du parterre. D'accord? Du jus, de la couleur, du goût, Du frais. magnifique, du frais, extraordinaire. Et une autre histoire du Baal Shem Tov, une fois une femme, une non-juive, qui dit à son mari, écoute, j'ai trouvé un autre docteur, parce que notre fille, elle a un problème à la colonne vertébrale, elle peut plus marcher, elle est handicapée. Et depuis qu'elle a fait sa chute, et voilà, ce docteur il va venir, mais il coûte cher. Il n'y a pas de problème, amène le docteur que tu veux. Il a amené le docteur il la vérifie, il prend ses honoraires bien sûr, et dit, écoutez, le pronostic est clair, votre fille ne pourra plus marcher. Alors la femme et le mari commencent à pleurer, mais comment, c'est pas possible, vous êtes le plus grand docteur, le plus grand docteur que grand docteur, mais la réalité, c'est la réalité, c'est. Alors, sa femme a dit, écoute, j'ai entendu un rabbin, un vieux rabbin, il n'était pas vieux d'ailleurs, il avait combien? Il était jeune, un Baal Shem Tov, il est mort très. Et il lui dit, mais arrête avec ces juifs, n'importe quoi, c'est des gens qui, je ne veux pas dire le nom, mais pourquoi laisse? Écoute, c'est la seule possibilité, laisse-moi, vas-y. Bon, d'accord, allez, je vais. Il prend la calèche. Il arrive sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il était devant sa maison en train de faire Hidbodedout avec sa pipe. Vous savez qu'il avait une pipe, le Baal Shem Tov. Et il faisait des kavanot juste avec cette pipe, là, avec des. Et Bekitsour, il s'arrête devant le rabbin, le Baal Shem Tov. Il lui dit, il paraît que tu sais guérir des gens. Tiens, prends une bourse. Il lui jette la bourse. Et guéris, guéris ma fille. Le Baal Shem Tov, il donne un coup de pied dans la bourse. Il dit à la fille, lève-toi, tac! La fille est dans le calèche. Il jette les pièces, elle s'ouvre. Il dit à la fille, Fifi, descends prendre les pièces. La fille, elle descend de la calèche, elle se lève. Elle descend, elle prend les pièces. Alors le père, il est devenu fou. Alors que sa fille, ça fait 8 ans ou 10 ans qu'elle ne marche pas. Là, en une seconde, elle s'est levée de la calèche, elle marche tranquillement, elle est partie prendre les pièces. Il dit, prends ton bien. Il dit, j'ai pas besoin. Tu peux prendre. Refoua Shelema. Il est parti déjà, elle avait guéri. Ça, c'était la force du Baal Shem Tov. Mais ça, c'est une histoire. Mais vous avez des histoires et des histoires comme ça sur le Baal Shem Tov. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, et c'était ça, le Gilgul, je viens de l'apprendre d'ailleurs hier soir, du Saadia Gaon. Saadia Gaon, qui était aussi le Gilgul de Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, comme vous le savez, il avait un livre qui guérissait tous les gens. Agav Baba Saleh aussi dernièrement, qui était aussi le Gilgul de Chizkiyahu HaMelech.
pour nous dire qu'on a une grande personne aujourd'hui, c'est la Ptira du Baal Shem Tov. Il a dit une tsegula aussi, si vous une halakha le maase, que quand le Baba Salé disait, vous savez que Baba Salé, quand il est arrivé ici en Israël, il est arrivé à Yavne. Lorsqu'il est arrivé à Yavne, et il a dit je m'en vais. Pourquoi Rabbi, pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai entendu un jeune personne qui a parlé du mal du Baal Shem Tov. Il a dénigré Baal Shem Tov. Je ne peux pas rester dans la ville où il y a quelqu'un qui dit du mal du Baal Shem Tov. Il est parti habiter à Netivot. Le même jour, il n'est pas resté une journée de plus. Pour vous dire comme quoi, la kdusha du Baal Shem Tov, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est, et il est le Ora Chaim HaKadosh, toute sa vie, il voulait voir le Baal Shem Tov. Et il a demandé au Baal Shem Tov, il lui a dit, comment tu me vois dans le Olamot HaElyonim? Est-ce que tu me vois entier ou pas? Le Baal Shem Tov a demandé au Ora Chaim HaKadosh, quand tu me vois dans le Olamot HaElyonim, est-ce que tu me vois entier ou pas? Alors le Ora Chaim HaKadosh, il lui a dit, ne monte pas en Eretz Israël, parce que quand je te vois dans le Olamot HaElyonim, je te vois entier sauf tes talons. Ça veut dire que tu ne pourras pas venir en Israël. Et on sait très bien combien est-ce que le Baal Shem Tov a essayé de venir en Eretz Israël, et il n'a pas réussi à venir en Eretz Israël, car son tikkun, c'était de garder là-bas l'Ukraine. Et les Juifs qui sont encore là-bas peut-être, que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'azrat Hashem, à pouvoir se rattacher à cette tzadikim. Ah, je vous ai oublié de vous dire, c'est que il dit le Baal Shem Tov, au nom du Baba Salé, que Motzaï Shabbat, il faut allumer 4 bougies, Leilu Nishmat 4 tzadikim, de faire une bakasha, et que Be'azrat Hashem, grâce au chibour qu'on a avec la tzadikim, la connexion qu'on a avec la tzadikim, eh bien, on puisse voir toutes nos bakashot, toutes nos demandes s'accomplir. Baruch Adonai, le Olam, Amen.